crever, tu vas crever, cherche pas. Transfert des données terminé. Super. C'est presque fini. Ok. Transmission terminée. Beau travail, Apex. Putain, je l'ai pas vu celui-là. T'es encore en vie, toi. Yo tout le monde, c'est Agathe, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est sur Mass Effect Andromeda. Et pour la suite de l'épisode. Donc bah c'est parti les gars, bonne vidéo. Voilà l'habitat 7, la planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Ah bah et non. Bien, je commençais à me demander qui commandait ici. La directrice Addison a le droit d'avoir son avis, mais le mien prévaut. Elle est au courant ? C'est moi qui dirige l'initiative, et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau D'accord. nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle ? Il n'était pas là à l'époque de notre départ, mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus, les Kert. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment ? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a 6 mondes que nous espérons coloniser. D'accord. Mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Un bon pionnier se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème, et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça ? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Ouais, je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme le dirigeant que vous faites semblant d'être. Mais pour cela, vous devez d'abord devenir le pionnier que vous faites semblant d'être. Où est mon vaisseau ? Il est en préparation dans la baie d'amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en est... Ah ! Ça ne va pas ? Ryder, venez me voir au bloc Sam sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, si, ça va. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, Sam. Bonjour Scott, bienvenue dans le bloc Sam. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? T'as dit qu'on devait parler d'une affaire confidentielle. Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Oh, toi aussi j'ai mal. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. C'est comme parler dans la tête. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait ? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi, donc. Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat, un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes ? Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non ? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. D'accord. C'est assez dingue. Hélas, peu sont prêts à l'accepter. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il m'étonne.
Donc, qu'est-ce que ça implique au juste ? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça ? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. T'as des bugs. Pourquoi ? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionniers. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Ah bah voilà. Merci. Donc allez, c'est parti les gars. B d'amarrage. Allez, prends le wagon. Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnier en route, où en est le vaisseau ? Presque prêt, tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livré à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe. De quoi ? Oh, si tu vois ça comme ça, toi. On l'appelle le Tempête. Ok. Là, ça cause, les gars. On va s'amuser un peu, là. Pas mal, ça. Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celui qui fait bouger les choses. Vetra, Vetranix, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. D'accord. On est prêt ? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous ? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Alors on y va. Ouais. Allons voir le reste des Deus. Attendez une minute. Vous n'irez nulle part. Et merde. Oh, ça y est. Je sais pas ce que c'était, mais c'est pas moi. Je viens d'arriver. Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça ? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas ? Votre fils est encore en stase ? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment ? Ouais, ferme ta gueule, va-t'en. Ouais. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Allez, dégage. Chut. Je sais, moi aussi j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué. Eh oui. Ça allez, c'est bon. Boulot, pionnier. Tout c'est bien, t'as assuré. Ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveau. Ouais. C'est clair. Voilà le vaisseau de ouf. Quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteur, combinaison et l'équipage, bien sûr. De fins experts. Déjà le doc. Forme, Scott. Ça va, docteur ? Nickel. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody. Technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Super. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. Routeur activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre salut, scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. D'accord. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. C'est parfait. Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré le meilleur.
Quand vous serez prêt à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. D'accord, pas de soucis.